Non. Ok. Je dis d'abord un bonjour. Je remercie le peuple ivoirien. Je remercie Dieu d'abord d'avoir accepté qu'on ait encore un jour de plus. Je dis merci à toute la communauté à Tchan. Chers congénères Tchagba, peuple à Tchan des 60 villages de Songon à Eloka, nous vous saluons. Le vendredi 8 octobre 2021, rassemblés à Nono pour crier notre ras-le-bol et exiger le strict respect de nos us et coutumes. Dans le choix des chefs de nos villages, plusieurs résolutions importantes, les unes que les autres ont été arrêtées. Parmi elles, la marche du mercredi 13 octobre 2021 à partir de 7 heures pour exiger le départ des deux sous-préfets de Songon et de Bégéville. Dans tous les villages, la mobilisation est très forte. Cela démontre combien tout nous voulons le respect de nos us et coutumes dans la désignation de nos chefs et villages. C'est le lieu de vous saluer pour cette exceptionnelle mobilisation. Depuis l'annonce de cette marche, plusieurs contacts ont été établis pour comprendre ce qui se passe réellement en pays à Tchan. Ainsi, une rencontre avec les autorités et une délégation des chefs conduite par le président du collectif des chefs coutumiers à Tchan a eu lieu. Les discussions reprendront les jours à venir et seront ouvertes à l'Assemblée des chefs et Tchaba. Pour conséquent, nous informons tout le peuple à Tchan, la communauté nationale et internationale, l'annulation de la marche prévue pour se tenir le mercredi 13 octobre 2021 et donner la chance aux discussions qui ont été entamées de nous conduire résolument à la paix dans nos villages. Je répète, l'annulation de la marche prévue pour se tenir le mercredi 13 octobre 2021 et donner la chance aux discussions qui ont été entamées de nous conduire résolument à la paix dans nos différents villages. C'est le lieu pour nous de traduire ici toute notre gratitude au président Alassane Ouattara pour cette oreille attentive et pour tout ce qu'il fait pour le peuple à Tchan. Nous le rassurons de notre disponibilité à maintenir un climat de paix dans nos villages. Nous remercions notre autorité de tutelle, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui n'a cessé de tout mettre en œuvre pour trouver une issue favorable à la situation qui prévaut dans nos villages. Un merci au peuple Goua de Mbato pour son soutien au peuple Atchan. Nous rappelons encore à tous les chefs et Tchaba que la marche du 13 est annulée et qu'ils doivent communiquer l'information dans leurs communautés respectives. Des missions se rendront les prochains jours dans tous les villages pour ensemble sauver, préserver, maintenir la paix et la cohésion dans nos différents villages. Fait à Abidjan le vendredi 12 octobre et le mardi 12 octobre 2021, la génération Tchagba des 60 villages. Nous vous remercions.